Papa, dépêche-toi parce que j'ai beaucoup envie. Mini Bonnet! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous parle de Hans. J'ai tout aimé. Toi, Mini Bonnet, qu'est-ce que tu as aimé? Les coups. Moi, la seule chose que j'aime pas, c'est de perdre. Toi, Mini Bonnet, qu'est-ce que tu aimes pas? C'est dans la glu-glu qu'il y a fait. Tu prenais son bouclier, puis il allait toujours sur les ventes de les amis. La note des Mini Bonnet, c'est 2 sur 2. Hey, c'est les Mini Bonnet. Ils ont trouvé le moyen d'être dans ta chose là, que tu fais, là, ton dessin que tu critiques, là. Ben les buddies, il faut qu'ils soient là, eux autres, tu sais. Passons aux différents modes de jeu. En premier, il y a le mode Grand Prix. C'est un tournoi. Vous devrez affronter 10 adversaires différents dans le but de gagner le championnat. Il y a 7 niveaux de difficulté. Petite mise à jour, depuis peu, il y a maintenant un 11e personnage disponible dans Arms. Il s'agit de Max Brass. Il y a le mode contre qui nous permet de faire différents combats, comme un combat contre un adversaire qu'on va choisir, des combats par équipe, mais aussi certains mini-jeux. En premier, on aura le volleyball. Le mode de volleyball est bien simple, il suffit de faire tomber le ballon du côté de l'adversaire. Et la petite twist dans ce jeu, c'est que le ballon devient une bombe lorsqu'il tombe et explose. C'est de cette façon que vous allez marquer vos points. Il y a aussi le basket, où pour faire des points, vous devez prendre votre adversaire et l'expédier dans le panier. Il y a aussi le mode de cible mouvante, où le but est de frapper les cibles qui sont entre les adversaires pour faire le plus de points. Notez également qu'on peut frapper notre adversaire de l'autre côté pour le ralentir et ainsi être le seul à pouvoir frapper les cibles et en profiter. Il y a le mode survie qui porte bien son nom. Le but est de survivre des vagues et des vagues d'ennemis. Il y a le mode de lutte pour headlock où on va choisir notre adversaire qu'on va affronter et le but sera d'être celui qui va pouvoir utiliser Headlock qui nous permet d'avoir d'immenses pouvoirs et ainsi battre notre adversaire. Par la suite, il y a les modes en ligne, le match amical qui nous permet d'affronter différents joueurs ou des amis en ligne mais hors classement. Et ensuite, il y a le mode en ligne par classement pour affronter différents adversaires. Mais il va falloir avoir réussi le mode de Grand Prix au niveau 4 pour pouvoir faire des matchs par classement. Passons maintenant au gameplay. Arm est un jeu facile à prendre en main. On peut s'amuser relativement très facilement dès le début. Mais il y a une certaine courbe d'apprentissage pour apprendre à maîtriser les contrôles et à apprendre les habiletés de nos différents personnages. La magie de Arms réside en ses bras extensibles et ce qui est très plaisant, c'est qu'on peut donner une courbe lors de nos coups, c'est-à-dire lorsqu'on frappe, on va donner une courbe pour que le poing revienne à l'intérieur ou s'en aille vers l'extérieur. Avant chaque début de combat, il va falloir choisir avec quelle arme qu'on va affronter notre adversaire. On peut avoir une arme différente par main. Au début du jeu, chaque combattant vient avec 3 armes. On va pouvoir débloquer des armes grâce à un mini-jeu où il faut frapper des cibles et on va pouvoir gagner au hasard de nouvelles armes pour notre personnage. Ce qui est un peu plate, c'est qu'il n'y a aucune arme spécifique à un combattant. Ça aurait été le fun qu'un combattant puisse avoir une arme dangereuse pour lui lorsque tu l'affrontes
il y a un peu plus de stratégie parce que tu sais que cette arme-là est dévastatrice. Mais non, chaque combattant va pouvoir avoir l'ensemble des armes, il suffit de les débloquer. Un autre point qui est un peu plate, lorsqu'on débarre une arme, on ne peut pas la choisir. Ça va être, on la gagne au hasard. C'est un peu frustrant quand tu veux avoir une arme précise. Des fois, ça peut être long pour un certain personnage d'obtenir une arme que tu voudrais. Les actions qu'on peut faire lors des combats, on peut naturellement bloquer, on peut esquiver et on peut sauter. On a également une super attaque qui va être disponible lorsque la jauge de celle-ci va être remplie. À noter que cette super attaque est cumulable. Donc, si on n'en prend pas durant un combat, elle va être disponible au début du prochain combat. Ce qui est plate durant les combats, c'est que nos personnages sont lents. Ils bougent très lentement dans l'arène de combat. Et même qu'on va se servir de l'esquive pour leur donner un petit boost pour qu'ils bougent plus vite. Il y a plusieurs arènes de combat différentes et dans certains, on va pouvoir interagir avec des éléments du décor. Durant les combats, on peut avoir des contenants qui redonnent des points de vie qui vont apparaître sur le terrain. Il y a même des bombes qui vont apparaître pour nous nuire durant nos combats. Lorsqu'on joue par équipe, les deux personnages de l'équipe vont être attachés ensemble par une corde. Donc, s'il y en a un qui veut aller à droite et l'autre à gauche, cela sera impossible. Ça ajoute un petit élément stratégique lors des combats par équipe. On peut jouer jusqu'à 4 en mode multijoueur local avec écran séparé. Un petit bémol, lorsqu'on joue avec la Switch en mode mobile, donc c'est-à-dire qu'on se sert de l'écran de la Switch comme l'écran principal. Si on est plusieurs, ça devient très compliqué. L'écran est trop petit et on ne voit pas le personnage contre qui qu'on affronte. Vu qu'il est loin, il est trop petit et certains les complaintes de plusieurs personnes ont été, lorsqu'on l'a essayé, qu'ils ne voyaient pas leur adversaire et ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Pour conclure, les Buddies aiment le concept du jeu. C'est un concept original avec les bras extensibles. Les personnages sont beaux, sont colorés, mais cependant, on a de la misère à s'attacher à un personnage. Ils ont une petite historique avec eux, mais ça aurait été bien de développer un peu plus le concept de l'historique du personnage et même peut-être monter des vidéos sur l'histoire du personnage pour ainsi s'attacher un peu plus à celui-ci. Chaque personnage a des petites habiletés propres à eux, mais ça ne crée pas assez une grosse différence. Donc, quand on affronte un personnage, on ne se soucie pas vraiment des habiletés de celui-ci. Durant les combats, c'est très amusant. C'est le fun de pouvoir donner une courbe à notre bras lorsqu'on lance un coup. Le seul et unique gros bémol que j'ai lors des combats, c'est vraiment la lenteur du personnage. Ils sont vraiment lents. Souvent, on est là comme... Ah ouais, vas-y, là, avance, puis tasse-toi. C'est vraiment la lenteur que je retiens au niveau du gameplay, qui est un peu fatigant. Et aussi, ça aurait été bien pour que chaque personnage ait une arme unique et propre à lui. Mais malheureusement, on peut débloquer toutes les armes. Et un autre problème lorsqu'on débloque les armes, ceci se fait au hasard. On ne peut pas choisir une arme précise qu'on voudrait avoir. Avant de redonner le crayon au dessinateur pour qu'il continue et termine sa critique, les Buddies, on a aimé le jeu, mais il manque un petit quelque chose. Il manque de la profondeur dans ce jeu-là qui fait en sorte qu'on va revenir souvent jouer. Nintendo nous a promis d'autres personnages. C'est à voir, la balle est vraiment dans le camp de Nintendo, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce jeu-là pour le développer et en rendre un grand jeu. Le concept est là, il est bon. Il suffit simplement de le pousser au maximum et d'ajouter du contenu et des personnages pour en faire un grand jeu.
critique du jeu ARMS.